Bonjour tout le monde, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour une petite séance de renforcement musculaire, donc en circuit training comme on peut faire, comme nous avons pu faire, et cette fois sans matériel. Donc on va faire avec les moyens du bord. Les moyens du bord aujourd'hui vont être un mur, une serviette ou un tapis pour faire potentiellement un exercice au sol, et puis je la cherche, la chaise et une chaise. Et puis on mettra du cardio, puisque du cardio il n'y a pas besoin de trop de matériel. Donc avant de commencer, petit échauffement, on va commencer élévation de talons. On relâche bien les épaules. Un petit peu de vitesse. N'hésitez pas, lorsque vous allez voir que cette vidéo est publiée, de mettre un commentaire soit sur le post sur le forum pour dire un petit peu vous, comment vous vous échauffez, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez du matériel à votre disposition, parce que là je vous propose une petite chose, mais vous pourrez aussi développer aussi votre propre séance en tenant compte de la base que je vous propose et des petits ajouts que vous pouvez avoir avec les choses que vous avez chez vous. Donc n'importe quoi peut faire l'affaire, hein, un poids de une bouteille d'eau, un bac d'eau, quelque chose d'un petit peu lourd, etc. On va venir monter simultanément sur les pointes de pied. Donc je filme avec un appareil photo, hein. Du coup là si je monte, et que ma tête n'est plus dans le calme, ne vous inquiétez pas, je reviens sur la redescente. Je vais amener le point de pied vers moi. Voilà. Je laisse celui-là. On va chercher à tapoter un petit peu plus fort. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas notre chef bien aimé en dessous de nous. Du coup, c'est mon voisin. J'espère qu'il ne viendra pas frapper à ma porte. Ça devrait le faire normalement. Et puis on est bon. Attention, simultanément. Donc attention des équilibres. Hop. Donc moi j'ai un mur en cas d'équilibre arrière. Hop, attention à ne pas le casser non plus, j'ai des voisins un peu plus. Donc n'oubliez pas le petit pas si jamais vous partez en avant, en arrière. Et pareil sur celui-là si vous partez en avant. Donc là on va venir enchaîner. Rapidement. On va aller sur l'autre côté. Prendre un écart un petit peu supérieur à celui du bassin. Venir réfléchir et monter. Dans un squat. Là on est sur une demi, on ne descend pas très loin. On a une petite amplitude, mais ça va suffire. On se réveille tout doucement. Une quinzaine. Au lieu que vous sentiez que vos articulations sont un petit peu mobilisées, on se réveille tout doucement. On va réveiller aussi un petit peu le cœur en faisant ça. On va toucher un genou, puis l'autre.
on joue en mettant dans la jambe si c'est possible. Hop. Hop. Bon, je joue mon trap aujourd'hui. Je suis habitué à faire du sport. Ah. Comment ça finit? Et puis on va accélérer un petit peu le rythme. Un ballon vers la fesse. On va essayer de toucher. Hop, sa main. Et pareil, on va chercher. Hop. 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 À pousser derrière. Hop. Je vais à la fesse et je pousse. Hop. Hop. On met ça de côté. On va lancer une fesse d'un côté et une fesse de l'autre. Sans avoir une épaule immobile. Une rotation vers l'avant. Dans un sens, puis dans l'autre. Utilisez les bras. On va essayer d'élever les coudes, d'avoir le plus haut possible. On serre fort les abdos et on va envoyer. En accélérant petit à petit. La même chose sur les côtés. On garde le rythme. Et puis à mon top, on va tendre les bras devant soi. Hop, des petites rotations, des petits cercles. D'un côté et puis de l'autre, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Petit à petit, on va ouvrir. Jusqu'à avoir les bras à l'horizontale. Parallèle au sol. Depuis l'autre vers l'avant, on change. Dans l'autre sens. On tient, on tient, on tient. On baisse pas les bras. Ça va chauffer. Si ça chauffe pas, on va frapper un petit peu. Et on va refermer petit à petit avec des petits cercles. Extérieur. Et relâche. Là, venir un petit peu. Là, je crawl. Et m'envoyer sur le derrière. Je monte mon coude. Hop.
très bien respiré. On est parti vers l'arrière. On est bon, on relâche, on va venir, rotation au niveau des poignets, d'un sens puis dans l'autre. Et ça va tout le monde. Au voisin d'en dessous. Au voisin de dessus. Au voisin derrière. À vous. Un petit peu plus rapidement. Desserts de niveau 17 cette fois-ci, beaucoup plus rapide. Et enfin, desserts de niveau 37. Hop, vite, 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 vite. Et relâche. Venir pianoter. On pense à tous les doigts, le pouce. Parece que el reloj quisiera detenerse para alargar el tiempo que dura la noche pensando en ti. Regardez à droite, à gauche, toujours maintenant le piano, l'épaule immobile, du regard, l'épaule ne bouge pas. On peut lâcher les doigts. Et on va faire finir par un U, laisser un U en marquant bien l'arrondi. On vient bien ressentir l'étirement sur les diagonales, sur chaque pointe du U. Donc, on dessine bien un U, hein, bien l'arrondi, pas de V. Con la luna sin ningún reproche, parece que el reloj quisiera detenerse para alargar el tiempo que dura la noche pensando en ti. Y on va être bon. Échauffement articulaire fait. On va partir sur un petit échauffement pour monter le cardio. Donc, que vais-je faire aujourd'hui? Totalement en impro, je pars sur des pas de danse. Donc j'avance un pied, puis l'autre, ainsi de suite. Et puis je mets du rythme. Hop. J'essaierai de trouver une musique un petit peu latine pour aller sur ce mouvement-là. Et on accélère. Et on accélère, on accélère. Donc c'est comme si vous mettiez la vidéo en x2,5. On accélère, toujours plus vite. Encore, 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 encore. Et on relâche. Pareil sur le côté. Je reviens, je reviens. Hop. Et on va envoyer les bras, tiens. Allez. On n'a peut-être pas l'air fin. Mais au moins, on se réchauffe. On monte le niveau cardiaque. Hop. Plus vite, c'est possible.
Allez, on cercle. Et on lâche. On prend un peu sa respiration. Si on est facile, on recommence un petit peu. Moi j'attends un petit peu, je prends du repos et puis je vous proposerai un dernier petit exercice avec des tops. Donc quand je suis prêt dans les mains, ou je dirais top à l'oreille. Je vais pas dire top à l'oreille, vous allez. Et c'est tout l'exercice. Exercice basique, on a déjà fait. Le tipping. Donc là, pour réveiller mon voisin, au bout d'un certain temps, je vais rajouter les points. Donc hop. Quand je dirais top, j'essaie d'envoyer plus vite. Hop. Deuxième top, encore plus vite. Du coup, il y a trois niveaux. Le premier. Hop, lentement. Deuxième, un peu plus rapide. Et troisième, vraiment, je vais aller. Encore plus rapide. On est parti. On voit bien les points le plus lent possible. Top, on accélère légèrement. On sait bien respirer. Et on accélère. Allez, on tient, on tient, on tient. Hop, top, on relâche. Premier niveau. Top, deuxième niveau. On accélère un petit peu. Troisième niveau, top. Top, premier niveau. Top, deuxième niveau. J'accélère les bras et les pieds. Troisième niveau, allez, jusqu'au bout. Et on lâche. Vous pouvez vous hydrater, prendre un petit temps, et puis sur la suite de la vidéo, de toute façon, je vais faire un petit récapitulatif des 4 exercices que je vais vous donner sur le circuit training, sans matériel bien sûr. Donc je vais vous les expliquer, et puis après vous allez devoir les enchaîner à la suite, ces 4 exercices, sur 5 tours, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, on le refera une deuxième fois, et après on verra ce qu'on fait. On s'hydrate, on prend une petite pause, on écoute bien les explications sur chaque exercice et puis on sera parti. Alors je vais vous expliquer un petit peu les différents exercices, donc nos 4 exercices. Je vais essayer de vous proposer des petites simplifications ou des petites choses si vous n'avez pas forcément les chaises à l'épaule, etc. Donc pour le premier mouvement, ça va être facile, on va partir sur une chaise, d'accord. Sur votre chaise, on va venir essayer de rester pendant 25-30 secondes. Donc si vous avez la petite application Interval Trainer, ça vous permettra de mettre des temps ou une montre, 30 secondes, vous faites votre exercice 30 secondes. Donc j'ai bien les pieds alignés, j'essaye de descendre la totalité de mon dos est collé, d'accord. On peut voir si on peut passer les mains pour voir si le dos est bien collé, le regard vent vaut, et puis on essaye de descendre, d'avoir un angle à 90 degrés. C'est trop difficile de rester comme ça sur les 25 secondes pour monter un petit peu plus, d'accord. Vous allez sentir que ça travaille. L'objectif, c'est de maintenir l'exercice sur le temps donné, d'accord. Donc ça sera pour notre premier exercice. Pour notre deuxième exercice,
Donc avec chaise, chaise, pouf, vous pouvez faire avec les deux. Donc là je vais faire avec le pouf. Ça va être notre exercice tant attendu des triceps. Donc comme en position de chaise, je prends un écart d'épaule au niveau de ma chaise, de mon pouf, et je vais chercher à descendre. Et vous allez assez lentement, d'accord? Vous ne cherchez pas à descendre très très bas, d'accord? Puisque va falloir tenir sur un nombre de répétitions donné. On va partir sur entre 10 et 15. Donc 10 pour les ténés et 15 pour les ténéraires, d'accord? Hop. Je prends mon petit temps de repos et je vais enchaîner. On enchaîne sur quoi? Vous avez eu cette chaise, un dos de chaise. Qu'est-ce qu'on va faire? On part sur nos pompes. Donc pareil, écart d'épaule. On va essayer de rapprocher la poitrine le plus possible du dossier. Et repousser. Donc, vous voyez, au niveau des pieds, il y a mes talons qui se décollent, juste parce que j'envoie mon poids de corps vers l'avant. Donc, vous prenez l'amplitude qui vous convient sur ce mouvement-là, et puis ça sera pas mal. Enfin, quatrième exercice. On va mettre un petit truc un peu cardio, d'accord? Donc, vous allez vous tenir debout, lever un genou et envoyer un point. Et là, vous allez faire ce mouvement-là, si vous pouvez le faire en dynamique, enfin dynamique, sinon 1, 2. Vingt fois pour les ténés et 30 fois pour les téméraires. Donc, pour ceux qui veulent, donc on a du dynamique mais un petit peu léger, et puis après on peut le mettre un petit peu plus rapide, d'accord? Et du coup 20 répétitions ou 30 répétitions. Je vais faire un petit récapitulatif des 4 exercices. Donc le premier, ma chaise, donc je la tiens 25 à 30 secondes, d'accord? Le dos bien droit, bien collé, hop, les épaules pareilles. Au niveau de mon deuxième exercice, hop, je prends mon deuxième exercice. Je respire bien, j'ai mon angle à 90 au niveau de mes jambes. J'ai mon dos, qui est le bas du dos qui est assez proche de la chaise pour bien descendre comme un ascenseur. Et je remonte. Le dos bien droit. Et je pousse. Ça c'est pour le deuxième exercice. On prend un petit temps de repos. On souffle. Vous allez à votre rythme. Vous pouvez enchaîner les exercices, mais vous allez voir que vous allez devoir les faire 5 fois de chaque. Du coup, ça va vous demander quand même du cardio et de l'endurance. Du coup, vous prenez votre temps. Si vous avez besoin, à la deuxième série, à la première série, de souffler un peu, vous soufflez. Et vous repartez. L'objectif, c'est 4 exercices que vous allez répéter 5 fois de chaque. Du coup, ça vous fait 20 exercices. Je remettrai une petite chose avec un petit récap juste avant que vous commenciez. Hop, on part sur notre pompe. Pour les pompes, on va le faire 10 fois, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on en fera 10. Si c'est trop compliqué, on diminue, on passe à 8. Si c'est trop compliqué, on passe à 6. Vous fixez ce que vous souhaitez. Moi, je vais donner une fourchette entre 5 et 10, d'accord? Pour les personnes qui sont faciles avec chaise, vous pouvez aussi les faire au sol, d'accord?
Donc, vous prenez écart de d'épaule, les épaules au-dessus de vos poignets, que vous allez chercher à descendre et repousser. Et donc, vous faites entre 6 à 10 fois si vous voulez essayer les pompes au sol. Il y a aussi des pompes sur les genoux qui peuvent être possibles. Vous adaptez selon aussi ce que vous pouvez faire. Je vous propose la chaise dans un premier temps. Si c'est trop facile, vous pouvez vous mettre sur les genoux au sol. Troisième possibilité, vous mettre les jambes tendues pour faire les, entre guillemets, les vraies pompes. Une fois les pompes faites, on finit sur notre quatrième exercice. On va faire entre 20 et 30 fois. Donc, une fois sera un côté. D'accord ? 2, 3, 4. Là, c'est vraiment dynamique, léger. En dynamique un petit peu plus soutenue, on met du rythme, d'accord? Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout expliqué. Je vais remettre un petit récapitulatif dans la vidéo et puis ça sera à vous de jouer. On va essayer de faire ce circuit une fois, d'enchaîner les 5 fois. Vous allez prendre un temps de repos, donc comme vous souhaitez, je vous donne pas de temps aujourd'hui. Hein. C'est la première séance, on se revient. Vous essayez de bien vous hydrater, important, puisque ça va être un petit peu dur la reprise. Et puis après, on refera encore une fois ce circuit de 4 mêmes exercices à refaire 5 fois. Donc c'est pour ça, prenez le temps. Et ça sera tout pour la séance d'aujourd'hui. Donc je crois que tout est dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je mets un petit récapitulatif et puis vous partez à votre rythme. N'hésitez pas à me communiquer un petit peu vos ressentis, vos sensations sur la première séance, qu'est-ce qu'on pourra ajouter ou pas ajouter, ainsi de suite. Bonne séance à vous !